Je voudrais m'acquitter d'un devoir, un devoir fondamental, mais aussi un devoir initiatique, une responsabilité qui m'encombre. Regarde le parcours. Regarde la richesse culturelle du Mali. Regarde aussi le concept que nous disposons. Ne pas nous manquer la Amoula. Nous femmes nous manquer la Amoula. Nous corons donc nous manquer la Amoula. Je voudrais apprécier un bonjour amical et un après-midi exceptionnel à l'endroit de toutes les autorités politiques et administratives de la région de Sikasso. On serait un autre jour. Je n'ai pu vous entretenir pendant 4 heures où j'ai déjà de temps. Parce que je suis professeur d'université, je suis maître conférencier, je suis l'un des derniers survivants de la paix avec la communication. Il y a 4 mois, je suis tombé malade. On est dans ma période de mouvement. J'ai dit, quand il s'agit de Sikasso, il s'agit de mon cordon médical au-dessus du Mali. Faut les femmes. Quand il s'agit de Sikasso, je vais rappeler les autorités administratives, gouverneur, président du conseil régional, le maire, les autorités traditionnelles, le pouvoir public, tous les directeurs des services centraux et détachés. Moi, des cas qui ont donné, mais nous, des trucs de manœuvre, surtout les maires. Je vous rappelle encore ce que j'ai dit depuis les premières bases des festivals instaurés et installés à Sikasso en disant que si sont intégrés. Si nous avons la capacité de faire l'inventaire de l'existant, Sikasso pourrait devenir la capitale culturelle de l'Afrique de l'Ouest. Je le dis en présence de vous parce que le Malien est très loin de sa culture. Ce festival n'est pas une randonnée commerciale. Depuis 30 ans, depuis 40 ans, depuis 50 ans, j'ai mené ce combat. Et fort heureusement, je suis sous le poids de l'émotion parce que quand on dit l'interculturel, on voit on est là. Que c'est Doudou en passant par Dabakala, Moromoro, Korobo, Dabakala et Teini, tous ceci créent des jambos et Sikasso est décentralisable. Nous le verrons par la ville de Boalembea. Et c'est là où est partie la migration du peuple malien. C'est le gouverneur ou son représentant, madame la marraine, les maires de l'humanité qui sont avec nous. Je voudrais saluer l'œuvre d'une personne éminente qui n'est plus avec nous, qui s'appelle Père Sonam ou Père Emilio. Le Père Emilio a laissé une œuvre inimaginable. Je sens que c'est nous. Je vous demande de les applaudir très bien. Il faut dire que les morts ne sont pas morts. Ils sont avec nous. Mon frère qui est assis là, il y a 3 ans, nous avions organisé une conférence exceptionnelle au centre Senoufou, où il était question de la refondation du Mali. Je commence souriant, à mon Akumanyama.
On me l'a dit, je suis le l'ange gardien aujourd'hui d'une tradition séculaire 3000 ans avant Jésus-Christ. On est alors sur vous. Et quand l'administration coloniale a eu l'immobilité de mettre sur place et de construire cette formation, l'école lui en dit, ils se sont inspirés sur l'art de masquer la valeur de la Marie pour enseigner cette pédagogie à l'école lui en dit, avec un coefficient de 6. Coefficient 6, c'était pour maîtriser comment on pouvait gérer le peuple. On a fait un qualifié, c'est pour ça que tout était dans la catégorie, on ne le sait pas. Civilisateurs qui vont nous permettre de récupérer.